2024, j'annonce et je crie les nouvelles et les avis. Oh yeah, oh yeah. Nous voici en juillet, l'été est là, magnifique, chaud, caniculaire, j'ai hâte. D'autant que cette période s'accompagne de nombreux événements partout dans les villages de la vallée, dont par exemple les fameuses soirées estivales du département des Alpes-Maritimes, ou encore les guinguettes pour faire danser les gens. Et en parlant de guinguettes d'ailleurs, la première de l'été se tiendra demain, ici même, dans la soirée à Roquevillière, joie et allégresse. Voyons voir l'agenda pour la semaine. Jeudi, après-demain, concours de soca et repas de pétanque, ou le contraire à Belvédère à partir de 18h. Vendredi, conférence gratuite sur les glaciers disparus de la gorge de l'Aske. C'est à Belvédère, en salle polyvalente, à 21h. Mais encore, concert pour les amoureux de Ray Charles au chapiteau de la Roche. C'est gratuit. Et vendredi toujours, du théâtre pour les amoureux du théâtre et de Marcel Pagnol à Roquevillière. Sera présentée la pièce César, Fanny, Marius ou presque, à 21h sous le chapiteau de Roquevillière ce vendredi. Et samedi toujours, au Chaudan, chose exceptionnelle, il se passe quelque chose au Chaudan, puisque se déroulera la fête de la Sainte-Élisabeth à partir de 17h30. Dimanche, et on termine bientôt, du théâtre en salle polyvalente de Belvédère à 16h et concert de Vertigo au Tilleul à 21h à Belvédère. Enfin, lundi 8, concert gratos à l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Je crois que c'est du chant, c'est à Val-de-Blore, c'est à 21h. Et c'est également dans le cadre du festival Zodiac Academy. Quelques communiqués jusqu'à midi pour les fumeurs et amis de fumeurs. Il y a un dépistage à Roquevillière pour débusquer le cancer du poumon. À Roquevillière, à la mairie, au premier étage. Profitez-en, c'est gratuit et c'est jusqu'à midi. Avant de terminer, samedi 6, c'est le SBEUL, puisqu'il y a une route barrée, enfin les routes barrées, plus ou moins toute la journée, un peu partout, pour faire passer les cyclistes, j'adore les cyclistes, du Tour de France. Les précisions sont sur le Facebook du portail Vésubien, ainsi que dans le journal Le Portail Vésubien, le beau journal de nos vallées, celui de juillet, est distribué dans les mairies et les commerces de la vallée. Et en plus, j'en ai, demandez-le, il y en a du stock, le journal de juillet. J'ai terminé ma criée, il était temps, profitez des produits locaux et du soleil. Quant à moi, je vais aller prendre une pastille au miel pour ma voix, et je vous dis à la semaine prochaine.